C'est pas un mec qui a. Écoute, nous autres. Là, on a un gars qui a déjà été chômage. Il va vous expliquer ça, comment c'est que ça se passe. Un chômage, c'est l'homme à tout faire. C'est lui qui vit ici à Bois, il rentrait, il l'avait planché. Puis le matin, il allumait des poêles. Puis le soir, il allumait les miens. Il rentrait d'eau. Et cette fois, c'est chômage. Ça doit tellement bien qu'il rentrait d'eau avec toi. Ça, c'était pour rentrer d'eau, ça. Ouais. On appelle ça un goût. Un goût. Regarde, les côtières sont là. Deux côtières. Les campes à bois, les campes des arbres, puis on rentrait d'eau. Puis là, on a fait ça à Rivière, au lac. Puis au lac, mais là, ça prenait une rampe, là, pour le... Comme les cibles. Ça va bien comme on ça pour prendre la glace, pour attendre l'eau. Puis après, on mettait un sac de foin sur le trou pour pas qu'il brûle. C'est ça qui était l'ouvrage du chômage. C'est un gars qui n'a pas quasiment vu le cours qui faisait les gourmandes du long. Oui, parce qu'il se levait quasiment en même temps pour avoir après le cours. Mais c'est-tu lui qui nourrissait les chevaux le matin? Alors, c'est lui qui nourrissait les chevaux? Non, 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 c'est un autre. Allez, pour le matelot, là. Ouais. Il avait des banques de 45 à l'heure. Oui, oui. Il y en a un qui avait me dire pour le voir, puis l'autre, il a fait là, prendre l'eau, ensuite de ça, le chômage, il me semble qu'il y avait un autre job, il n'y avait pas le fanal. Le fanal, pour les cordes. Le temps de l'huile dedans, c'était des faux, pas des faux, mais des faux. Quand on fait ça de l'huile, c'est un job du chômage. Il faisait le tour? Il faisait le tour, puis les lampes aussi, puis tout ça. Des années, mais il y a 40-45. Ok, 40-45. Non, pas de l'huile. Dans le temps, les cuisiniers, après, il y avait l'électricité partout. Vous avez là. On a eu comment s'il avait ça, les gloves? On les faisait. On bien les on avait de l'eau. Après ça, la mèche, quand elle était finie, là. C'est un job de chômage. Ah oui. Le chômage, il y avait vraiment de la il vous en donnait. Ben oui. Nous, on a des cow-boys, on ne gagnait pas le salaire du coup. Tu vas rester surpris. La première année, j'arrive pour la console, moi là, là. Vrai, quand t'es là, là, je gagnais. Plus cher d'un camp, chez Mme Trudel, qu'à côté Boussipet. Ah ouais? J'ai parti, mais j'étais à la marche. Bah. J'ai dit, toi, mon petit monsieur la marche, là, j'ai dit, il va falloir me faire quelque chose. J'ai dit, j'étais bien, monsieur Georges Trudel. Puis j'ai dit, je gagnais plus cher qu'ici. Oh, il donc, j'ai dit, oui, je gagnais plus cher qu'ici. Là, au dépôt super, je gagnais 50$ par semaine. En 59. C'est pas beaucoup, tu sais. Non, non, non. Bon, et puis là-bas, je gagnais plus cher que ça. Moi, mon vrai métier, je suis opérateur de bulldozer. Puis en 46, je conduis un bulldozer, puis on y a 35 cents $. Aujourd'hui, c'est 35 $. Si on a une carrière cuisinier, là, de ça, c'est de où j'en parle, là, ça va être ça, tu es ouvert dans la rue. Mais ça a l'air d'avoir une deuxième fonction, ça, cette affaire-là. De où j'en parle. La deuxième fonction. Ouais. Les femmes, quand le mari rentrait trop tard. Le mesureur de bois, ça c'était quelqu'un, le mesureur c'était une des personnes à peu près les plus responsables dans un camp. Pourquoi? Parce que les travailleurs étaient payés à forfait avec le bois qu'ils coupaient. Ils pouvaient être payés en temps de la corde. Comment ils mesuraient ça? C'était une corde de bois, ça avait 4 pieds d'hauteur, 4 pieds de largeur et 8 pieds de longueur. C'était une corde de 4 familles. Mais ça, c'était une corde apparente, parce qu'il y avait des trous à travers ça. La base avait toujours été faite sur du pied cube solide. Le pied cube solide, c'est du solide, c'est seulement du bois. Fait que là, les gars, les cordonnaient le bois, bien souvent, les bottes sur toute une même base. Là, ça faisait des trous. puis là, des lettres venaient en bois, puis il y avait des trous. Ça, ils ont arrêté ça, cette affaire-là, puis la mesure, il fallait qu'elle mesurait une en avant, une en arrière. Puis les gars prenaient encore des trucs, ils en effrichaient une en arrière, une petite crotte bête pas trop longue. Donc là, quand ils ont vu ça, les compagnies, ils ont arrêté complètement, puis c'était le pied cube solide. Le pied cube solide, c'est avec mesuré avec une baillette dans l'écorce. Tu prends une bûche de bois, c'est mesuré en dedans de l'écorche. Puis s'il y a un pourri, il est enlevé. Le mesureur mesure, il y a un assistant, puis l'assistant, c'est lui qui marque le palais que le mesureur lui donne. Puis dans les assistants à Saint-Donat, c'était en 1979, quand la dernière fois qu'on coupait dans le parc du Mont-Tremblant, on coupait à Saint-Donat, puis on manquait de personnel, ça fait qu'on c'est la première fois qu'on a gardé des filles. Fait que José est venu assistant mesureur, puis Eliane Miopel. C'est les deux premières femmes qui sont assistants mesureurs dans le bois. Et aujourd'hui, on voit des mesureurs, des femmes en mesureurs, chef mesureur, technicien pharmacie. On en voit beaucoup aujourd'hui. Mais si on peut dire, c'est les deux premières qui ont commencé ça. Fait bien donc, José expliquer que c'est assez un assistant mesureur. L'assistant mesurant, lui, c'était quand même un poste très important parce que c'est lui qui inscrivait les données, disons le diamètre du bio. Je trouvais toujours, je m'installais vraiment comme il faut sur la pile de bio avec un bon petit coussin. Et là, j'avais mon pan pour taler. Et là, le mesurant, lui, il disait, bon bien, si ça mesurait, exemple, 20 cm, mais là, je faisais une petite coche. Avec une petite coche, avec une coche, deux coches, trois coches, et quatrième coche et la cinquième de travers pour faire des lots de 5. Et il fallait en remplir le plus possible dans de nos petits corps. Fait que là, ça nous prenait un crayon très affilé, hein? Fait que pour faire ça, et il fallait pas se tromper parce que on était surveillés. Autant que la compagnie venait surveiller, voir, ils venaient checker, voir si on avait bien fait ça. Et on avait aussi le ministère des Terres et Forêts, René, il venait surveiller, là, voir si on mesurait comme il faut, là, si on avait bien fait notre ouvrage. Fait que ça fait longtemps, hein, c'est dans les années 79, ouais, c'est ça, 80. Fait que, mais ça a été un emploi que j'ai adoré. Je me souviens que on travaillait avec beaucoup d'hommes de Saint-Donat, et puis, entre autres, il y avait Claude Paget qui travaillait avec nous autres, puis lui, il aimait ça faire toujours un petit feu. Fait qu'il faisait un feu, fait que le midi, on faisait des bonnes sandwichs toastés là, sur le feu, fait que ça me rappelle là, des bons souvenirs. Fait que c'est ça. Bravo. Merci. Bien personne les deux, parce qu'aujourd'hui, il y a beaucoup de tu dis que c'était payant aussi. Oui, c'était très payant. Le bois était mesuré, il était heureux, il était vérifié. Le premier temps, il était chef mesureur. Chef mesureur, il vérifiait ses mesureurs. Il n'avait pas le droit de dépasser 2,5, soit en haut ou 2,5 en bas. Ou un décième dans la moyenne. Dans l'improviste, il y avait des vérificateurs qui passaient, il y avait le gouvernement qui passait, il y avait le département forestier. Et moi, comme chef mesureur, j'allais prendre des tests. Si on dépassait 2,5, si il dépassait 2,5%, là, je partais avec le représentant du gouvernement, on le prenait conjointement. Puis là, il fallait que le mesureur reprenne son mesurage. Fait que c'était pas trop intéressant de prendre son mesurage, et pour ça, il n'était pas là, puis il a voulu se placer. Parce que le jobber, le gars était payé avec ça, le jobber était payé sur ces toises-là, le grand jobber était payé là-dessus, la compagnie a payé ses grands contracteurs sur l'accumulation de tous ces mesurages-là, puis la compagnie payait le droit de coupe sur ce montant-là. C'est pour ça que c'était quelqu'un de très intéressant. C'était un gars qui était formé, puis qui allait du chaîner sur un coup de chaîner. L'hiver, quand s'il y avait trop de neige, là, le jobber était obligé d'envoyer quelqu'un pour pelleter. Okay. Il allait pelleter, il fallait qu'il paye ça jusqu'en bas, puis là, tu vois, il est en bûche, le centre de la bûche, de la première rangée. Il y en a qui essayaient de mettre autour des gros bois, il y en a qui ont traîné le bois, jeté le gros bord du bord. Si le mesureur le prenait tout haut de ce côté-là, il continuait. Mais là, il était obligé de prendre 50% du bois en avant, 50% en arrière. Ah. Mais ça, il ne disait pas. C'était que là, si le bois n'était pas nettoyé partout en arrière, il refusait le bois. Le bois, il refusait. Il regarde prendre son travail. Quand il ne mesurait pas du bois, c'était sur le lac. Sur le lac? Oui, non. Il mesurait un petit peu, mais il n'avait pas le droit. pas de bois. Parce que la pesanteur du bois fait rentrer ça dans l'eau, puis il y a des rangs qui font ça. Il n'y avait pas de bois. Il y en a qui ont rempli. Ça a été loin, ça. Quand les compagnies ont fait de ils ont tué d'ailleurs, c'est ça, là. Lui, c'était sur la rame. C'était la rame? Lui, c'était sur la rame. Les gars avaient volé du bois. Ils volaient du bois. Le bois, ils sont arrivés de mieux. Justement, le dernier campement qu'on a eu, c'est là, ça s'est fait. Ils sont Il a toute son histoire sur leur mur, c'est très important. Ça, c'est le premier surintendant qui a versé Michel Descentes à Hearst. Ils l'ont fait venir, c'était un colonel de l'armée, ils l'ont fait venir de l'arme de terre. Ils l'ont fait venir, puis là, il a déclaré ça, il a été sur le point de déclarer la fin, il avait tout son plan. Puis il était dans son bureau un soir, puis ils l'ont tiré. Ils l'ont tué, il était dans son bureau. Là, il y a des gens qui ont été redoutés, comme à Saint-Michel-des-Saints, il y a des... Ils ont vraiment trouvé. Ils ont vraiment trouvé. Ils ont redouté les miroirs, à un moment donné. Puis il y a toute l'histoire là-bas du procès. L'histoire du procès. Ce qui est intéressant là-dedans, pour moi, c'est lui qui a été le premier surintendant à Saint-Michel-des-Saints, puis moi, j'ai été le dernier. En 90, là, les limites ont échangé, puis on regarde c'est lui, Saint-Michel. Fait qu'il y a le bois qui se passe Saint-Michel, il était envoyé ailleurs, puis il doit reprendre ma retraite là-bas. Fait que lui, le premier s'est fait fusiller. Un métier dangereux. C'est dangereux. Il avait découvert, il y avait eu un gros vol. Le bois descendait sur la rivière, puis il y avait des gars qui s'assalaient. Donc, l'arrivée à Matawan, il n'y avait pas de lac Taureau, il ne savait pas d'avoir Taureau. Ça fait qu'il y avait des filles, puis il y avait des gars qui allaient sortir du bois. Ah. Ils descendaient, sortaient ça. Il y avait des petits moulins qui s'installaient à la bord de l'eau. Il y avait un bois qui était rendu au moulin de chaque jobbeur avait une certaine distance. Il était placé à une année, il coupait, mettons, à côté droit du gros, une autre année, il va couper à côté de l'autre, pour avoir toujours à peu près la même distance. C'est tout surveillé avec les chevaux. C'est là que ça prenait des chemins, ils soient bien à plomb, parce qu'avec la charge de bois, c'était dangereux de verser. Puis il fallait que les chemins soient faits pour être capable de. Le charroyer, quand vous êtes des voitures, il fallait qu'ils montent, puis il fallait qu'ils revirent, il n'y a pas de reculons, c'est des voitures, il fallait les virer à l'entrée. Fait que le bois, il emmenait ça sur les rivières, soit il cordait sur les rivières, ou il s'en allait s'embarquer sur les lacs. C'est ça, les tiridis, là? Ah, c'est le les tiridis, il fallait les chemins pour ça. Plus les chemins étaient meilleurs, moins ça coûtait. Ça mettait double dans le voyage. C'est eux autres qui glaçaient les chemins? Ben non, ça dépend. Normalement, ils glaçaient les chemins. Ça dépend des distances. Ça dépendait des distances. Quand c'était loin, ils glaçaient. Quand il y avait des gros envois cycliques, il y avait des trous en arrière, ça venait juste à tomber dans les chemins. J'imagine que le plus souvent possible, il ne fallait pas qu'il y ait des côtes. Non. Ça dépendait des. Il fallait faire attention pour les gens. S'il y avait des côtes, il fallait qu'il installe des briques. Des briques. Ouais, des briques, des sablés. On est ici, en arrière, des gros péchants de notre arvélo. Ou sabler les côtes. Sabler les côtes ou mettre un bœuf en arrière. Oui. Sabler avec les chevaux, il n'y en a pas trop ça parce qu'il fallait qu'il remonte après ça. Il fallait qu'il repasse. Ah oui, mettre un bœuf en arrière. Un bœuf en arrière. Dans les extrémités, il y a moins de chaos, là. Descendre au corps. OK. Ça donne les extrémités. Sur les chars de bois, ça avait des racks, il y avait à peu près une vingtaine de pieds de long. Il y avait des catins. Okay. Comme Joe Lévesque à Saint-Donat, c'est là qu'il s'est fait tuer. Il était debout en arrière avec le catin, puis le catin passé, la corde de bois déroulée sur le vent. Puis le professeur est décédé. Michel là, William Légaré. Oui, oui. Dans le match. Oui. En dérainant un, puis il est tombé. C'est ça. Le tuer. Puis quoi, en faisant des voyages, ça peut avoir une bonne hauteur? La hauteur, ça pouvait monter là, tout un niveau, mettre dans l'asset, il pouvait mettre ça à peu près 4 pieds, 5 pieds, 6 pieds. Moi, je me souviens, j'étais arrivé à 6-7 ans. J'étais monté au camp à mon père, puis j'étais l'hiver, puis mon frère, Claude, il avait une tienne de chevaux, puis il formait du bois, puis on venait avec lui. Ça fait qu'on était sur, on était arrivé sur le plan, l'autre, mon frère, il a dit, prends les guides. J'aurais pris les guides, la tienne de chevaux, c'est moi qui étais maître de ça. Ça, c'est un souvenir qui m'a toujours resté. C'était plus important pour moi, cet âge-là, que si j'étais aux commandes d'un 747. Ça m'a frappé. C'est moi qui ai mené le coup. Je viens au transport aussi, au transport du bois. Moi, j'ai charroyé pour la gueule Mainte-Laurence avec un camion qui mettait un donkey en arrière de ça. Pour descendre, il y avait des faux. Parce qu'il n'y avait pas de vie rouge. Ils ont un de l'or. C'est vrai. C'était pas mieux organisé. Ben oui. Puis là, il y avait une grande côte, puis là, il fallait l'embarque, puis le petit guidi. On parlait tout à l'heure, les petits guidis. Il y avait trois petits guidis, puis ils entretenaient la côte. Ils l'embarquaient sur le bumper en avant pour pouvoir le virer en haut. Parce qu'ils passaient tout droit. Après ça, on allait domper ça sur une rivière, sur un lac. Puis quand on arrivait avec sur le bord du lac, il n'y avait pas d'eau sans glace. On allait domper le voyage, puis quand on sortait de là, on sortait avec 4-5 pouces d'eau. Il y en a deux qui sont noyés, Victor Bilodeau qui s'est noyé ici sur le lac. Oui. Docteur Charbonneau. Le père Marcel, puis Denis. Ah oui, puis après ça, il y a Claude Richer, lui, ça fait à Saint-Donat-du-Lac. Ah oui? Il est rentré dans son camion du ciel. C'était populaire, ça, voyager par le lac. Voyager par le lac. Ben oui, on va l'espace économique. Oui. Tous les gars qui faisaient du bois franc comme des moulins, le bois franc, c'est en transportant des camions. Lui, quand Victor s'est noyé, Victor, il y avait un camion devant lui, mais après ça, je pense qu'il a parlé qu'il avait senti. Oui, le camion avant, il avait juste senti, puis il n'a pas arrêté. Il n'a pas arrêté. Puis quand l'autre, il a parlé, il n'est pas rentré au moulin. Il pensait d'avoir le temps d'aller domper son voyage pour aller avertir qu'il y avait un trou dans le chemin. Oui. Et les gars, ils n'avaient pas eu le temps parce que le gars, il est arrivé plus vite. Ils n'étaient pas tenus d'enlever les portes. Non. Il était tellement sûr dans le chemin parce que c'était glacé, ça, pour ça. Il était tracé, il était glacé, la nuit. Il l'abosait, là. Mais des fois, s'il changeait un peu de bois, un peu plus brillant. C'était pas des idiots, c'est seulement des... Non, la famille limitée, il y avait une autre manière, l'autre, quand elle est arrivée, l'autre. Les autres, ils mettaient un rang de bio dans... Ils ne faisaient pas présent dans le camion, puis ils traînaient le bracelet. M. Granger aussi, il y en a Granger. Il fallait d'inscrire en arrière. Il fallait le même. Le bois franc, il a fait tout le bord, il a fait tout le bord. Il traversait le lac de même. C'était vraiment dangereux. Puis ça portait... Ça portait plus long. Ça portait pavillon. Il y avait le même voyage, puis ça portait pavillon. Le printemps, aussitôt que ça commençait à fondre moindrement, il appelait ça le coup d'eau. Quand les glaces fondent, puis elles commencent à venir, il faut qu'ils se repèrent que les lacs, il n'y a pas beaucoup d'eau, les têtes d'eau surtout, là, les lacs de tête, ils appellent. Là, ça pressait, c'était le bois, le descend le plus vite possible. Puis là, les rivières, le bois descend, puis le bois va 2 fois plus vite que l'eau. Ça fait que ça prend le contre-main, il faut qu'ils voient à son affaire quand ça ouvrir une écluse, ouvre l'écluse, envoie seulement de l'eau. Puis à telle heure, si tu envoyeras, tu ouvriras ton bois, tu envoyeras le bois. Puis là, même à travers ça, ils se faisaient des espèces de jams. Bien rapides, ils se faisaient des jams. Puis là, ça prenait des gardiens, là, pour voir ça, pour pas que ça monte, qu'ils les fassent à fur et à mesure. Puis ça, en grave, on avait de la misère à trouver du monde. On prenait, tout à chacun, on avait de la misère, puis mais souvent, il y avait des gens de Québec qui venaient l'accompagner, payaient un taxi, puis trouve-nous du monde. Puis ils arrivaient au dépôt, puis ils se faisaient payer par tête. Les gars arrivaient, ils devaient arriver en petit habit, par vieux souliers, ils arrivaient, puis ils arrivaient au camp, puis là, ça leur prenait des bottes, puis du linge, là, ils faisaient la bière, puis le lendemain, ils étaient pas à la bière, ils se prenaient le bord, puis ils retournaient. Bien souvent, ils étaient en règle de taxi, quand ils venaient, ils les rendaient Et là, nous autres, moi, quand j'ai commencé, là, on cherchait des hommes aussi. Puis là, j'ai trouvé une place qu'il y en avait, c'est à Montréal. Ah oui! À Montréal. Il est venu t'envoyer sa rare, puis continue la soirée. Ben oui, mais ils ne me connaissaient pas. Comme travaillant, je ne sais pas quoi, là, ils ne savaient pas. Ils ne me connaissaient pas, puis ils avaient besoin des hommes. J'ai dit, je vais essayer ça, la drave. Mon père m'avait toujours défendu d'aller à la drave. Je sais, fait que lui, il m'engage. J'ai dit, j'y vais. Moi, on va ça, on va essayer ça. À un moment donné, rendu là-bas, il y avait Gaétan Lavoie, je ne sais pas si tu as connu, Gaétan. Moi, je le connais, moi. Puis c'était son grand chum. Il y avait une gomme qui avait installé au-dessus d'un ruisseau pour pouvoir traverser juste les gars, là, tu sais. Puis avec la pôle, tu pouvais tenir le ballon là-dessus pour le traverser. Mais eux autres, ils ne pensaient pas, ils ne me connaissaient pas. Moi, j'étais un montréaliste. Ils ne me connaissaient pas. Fait que là, Gaétan, lui, c'est lui qui avait dit à Gaétan, lui, Yo sé que estamos realistes et ils ne sont pas capables de traverser la rue. Gaétan me pogne, puis il m'embarque, c'est une fois qu'il ne travaille pas. Il t'a pas compris. Gaétan me pogne. Il traverse l'autre bord du ruisseau. C'est voir que j'ai dit, écoute bien là, moi je peux brancher Saint-Deux par trois là, tout le long, puis il fait trois enfants, je suis capable de tenir mon ballon. Là, ça a été fini là. Gaétan l'avouait là. On allait faire sauter la dynamite en dessous des jams de pitoune. Puis il y avait une place, une dompe de pitoune, puis on allait faire sauter la dynamite. On avait des tunnels qu'on pouvait rentrer en dessous de ça, la longueur du garage. Ah ouais? Oui. C'était flaqué en maudit parce que ça n'avait plus parti, ça. On se faisait des trous avec la dynamite. La pitoune était toute gelée au-dessus de ça. Puis là, à un moment donné, ben là, c'est bien sûr qu'il m'avait donné. Lui, il savait là, que je travaillais le bois un peu, là, tu veux dire que je pouvais me déprendre. Il m'avait donné un bateau en bois pour aller faire sauter ça, là, tu veux dire. Mais la glace, tu sais, le printemps, la glace pogne, puis diawapi, ça frottait sa caloupe, ça, puis des fois, la caloupe prenait l'eau, puis diawapi, puis moi, je te partais ça, des morceaux de tôle, puis diawapi, en tout cas, ça continuait. Là, à un moment donné, ça a été la drave sucrée. Et ça prenait des. Comment s'y appelait ça? Des rouleaux, non? Des gardiens. Des gardiens, rapides. Du ruisseau, là. Du rapide. Et là, à un moment donné, le Montréaliste, lui, il arrive avec une affaire de même. Là, il en a une, là. C'était un ancien chantier qui avait dit là. Et ça, il y a une faïence d'un bord, puis il y a une faïence sur l'autre bord. Ouais. Quand le paquet qui tourne arrivait dans le crêpe, moi, j'avais trouvé ça une affaire de même, mais il n'y avait pas de membre. J'ai fait un membre. Puis là, j'ai monté avec ça, moi, sur l'épaule, puis on dit, oh, le Montréaliste, ça va là, avec une pioche. Mais ça n'a pas été long que ma pioche me suis bien fait voler. Parce que quand un paquet de pitounes arrivait de travers, moi j'avais ça pour les déveler. Il faut les déveler les pitounes. Puis quand il arrivait sur l'autre sens, j'avais le taillant même. Mais quand c'était une hache, il fallait que tu te revires, là. Et ça allait bien au coton. Ça n'a pas été long, ma pioche me suis bien fait voler. Et là, justement, c'est peut-être elle, hein? Je gardais dans un détour, dans le sucré, il y avait un détour, là, puis moi, je gardais là, le boss arrive. Voilà, moi, puis j'étais embarqué sur un paquet de pitounes, puis là, il me restait 400 pitounes à dégeler, puis il fallait que je m'arrange pour ne pas tomber à l'eau. Fait que lui, il arrive, il dit, attends un peu, André m'a l'étalé. Il met sa pancole dans l'eau. Il y avait des grands voûtes pour le sol, seulement à ceinture. Mais ça pack-pole dans l'eau, puis il se donne un air d'aller pour monter ça sur mon paquet. Mais le pack-pole est resté pris en deux bras. En deux bras. Il est revenu, puis il est tombé dans l'eau. Il a disparu dans le bras. Ça en a un de mon groupe qui était assez allant. Ça arrivait assez souvent, je prenais ma grande cour là-dedans, je prenais ma course, puis je sautais à la rivière, comme ça. Au lieu d'aller passer, je sautais à la rivière. C'est là qu'on va faire pareil, puis en restant de contre-coup, envoyé à l'eau. Les bottes bien viennent, mais les robes, ils viennent, c'est deux fois, le printemps, il y a de la place qui descend avec ça. Puis j'en étais sur le bord, j'ai vidé mes bottes, j'ai pas dit un mot. Il n'a pas peur des pantoutes, mais dans mon regard, il a vu, ça voulait dire, il ne faut pas rire. Il ne faut pas le dire à personne. Ça n'a pas été long, après mes bottes ont été vidées, je suis parti, ça n'a pas été long, j'ai entendu s'éclater. Le soir au souper, il est là, ça venait souper, puis il va te garder, puis un petit souvenir de côté indiquant. C'est un plaisir donc normalement, de faire à ses draveurs, c'est d'aller se bouger le dernier.